Salut tout le monde, c'est Dr Kiwi et bienvenue dans ce 13e épisode de LEGO Star Wars The Clone Wars. Et nous allons tout de suite terminer la campagne de l'hôte débile, la Sage Ventress, ici. On va donc libérer Rilot. Ah, on est sur Rilot depuis déjà 3 épisodes. Enfin, celui-là avec celui-là, ça fait le 3e. Non, non, laissez-moi skipper. Ah. Oh, ça va être bien. Super bataille. Il se mange la deuxième patte. Non mais je rêve, c'est quoi ces clones? Mais ils sont d'où? Oula, désolé. Alors, Mace Windu. Mace Windu, tu vas aller là-bas? Très loin. Non, pas de caserne ici, non. Mais par contre, ça aurait été bien d'avoir un truc marrant pour se balader avec. Ici déjà par exemple, ce serait bien d'avoir un canon. Encore. Ah. Bien évidemment. Bon, d'accord. Ok, on va gérer ça comme des pros, comme des grands stratèges. On va d'abord aller voir chez l'ennemi. Oh, d'accord. Donc chez l'ennemi, c'est mort. Oh, je fuis! Comment il va super vite, leur crabe! Oh! Ouais, il construit vite, le clone. Hein. Hey! Mon araignée, elle est morte! Oh! Une araignée ou machin, je sais pas. Bon, c'est pour le mode libre, donc. Mais c'est une... Oh, parfait. Ça, c'est génial. On va se faire du pognon sur eux. Hop. Parce que, comme je l'avais déjà dit, dans les niveaux stratégie, il faut du pognon. Faudrait contrôler cette chose, tout simplement. C'était pas plus difficile en fait. Et hop, ouais, toi d'abord si tu veux. Toi. Yes, allez, bonne nuit. Et on va détruire cette espèce d'arc électrique qui est un peu gênant. Attendez qu'il nous tue dès qu'on passe. Et on va vite récupérer le pognon. Vite. J'aurais. Mais Sundu, je te déteste. Tout ce pognon. Merde, comment je monte là? Peut-être en sautant d'un véhicule. Oh, d'accord. Bon, ben on va se balader chez l'ennemi. Voyons ça, des pièces. Un truc à nain.
Oula, j'ai tourné un peu vite. Comment je les ai tous fait dégager rien qu'avec la force? Trop balèze. C'est Mace Windu. Voyons ça, quelle base on pourrait leur tchourer? On pourrait peut-être leur tchourer ça. Sympa. Ah, mais elle est un peu trop au milieu, je trouve. Tandis que celle-ci, en revanche, va leur priver de leur véhicule. Ah, dommage. Eh bien, celle-là. Tu veux jouer à ça? Ah oui, mais ils sont 50 contre moi aussi. Parfait. Yeah. Oups. Bon, bah c'était ce que je voulais au départ, donc au final. Maintenant c'est ma base. Cassez-vous. C'est de voir jusqu'où ils peuvent voler. C'est parti. Essayons une caserne de clone. Une autre caserne de clone. Père cette fois-ci. Ainsi qu'un petit support aérien. Eh, on spawn kill pas là, c'est quoi ces manières? Voilà, ça vous apprendra les mecs. Allez, suivez-moi maintenant. Voyons voir ces idiots en action. Parfait, ils l'ont détruit, c'est génial. Non, 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 revenez. Comment je les ai fait? Allez, attaquez ça là-bas maintenant. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper de ces idiots. Parfait, parfait. Donc ici ça se déroule très bien. Donc j'imagine que le but là ça va être d'ouvrir le pont. Étant donné qu'ils l'ont fermé, ces idiots, et que nous ce qu'on veut c'est le chef droïde. Mais ça nous fait une base de plus, c'est génial. Ça j'ai pas aimé. Oh. Bon d'accord, alors. Et voilà. En sachant que quand même, plus vous achetez de trucs, plus ça baisse votre barre Jedi. Donc si vous voulez gagner le niveau en ayant toutes les pièces ou je sais pas quoi là, remplir la barre Jedi à fond, vous avez intérêt à rien acheter du tout.
et tout faire vous-même sans crever. Yep. On fait tomber quelques plombs. Et là, on va essayer de placer un... ça, parce que moi j'aime bien ce véhicule. Allez, viens! En plus, il fait bien mal. Ah, ça y est, j'en ai trouvé un. Oh non, 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 ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Oula, d'accord, je vais devoir créer quelque chose là-dessus, mais pour ça, il va falloir que je détruise cette chose. Cet arc électrique argenté. Je peux pas récupérer l'argent, sinon je me fais électriser. Même électrocuté. Pour ceux qui connaissent pas la différence, électriser, c'est rien. Électrocuté, tu meurs. Voilà, c'est tout. Ouais, allez, ça, même si ça sert absolument rien. Ça sera toujours plus joli sur le champ de bataille d'avoir une connerie pareille. Je vais me rendre compte que il y aura peut-être un petit problème. Peut-être si je vais par là. Mais Windu, pièce violette! Génial! Ça m'a rien augmenté. Ah voilà, ça au moins c'est libéré. Par contre cette emmerdeur là. J'ai déjà eu détruire ça d'avance. Wow! Idiot. Bon bah tant pis. Non, rends-moi ça à toi. Ah mais oh, c'est pas croyable. Ils sont cons ces clones. Merci d'avoir détruit mon véhicule préféré. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça pique. Vite. Il faut qu'on trouve des potes. Des potes. Avec des... oh, des bazookas. Allez, viens. Parfait. Là, ça va être la fin pour vous, les mecs. Ouh, putain. Faites le tour, les mecs, faites le tour. Ah, parce qu'eux aussi, ils vont crever, sinon. Ah, vous approchez trop, les mecs. Incroyable. Ça, oh, le métal se remet normal. Je déteste ça. Je vous déteste. Comment faire alors? Ah, ben voilà. Et donne-moi ça, mon gars. C'est la fin pour vous, les mecs. Qu'est-ce qu'il fait, ce véhicule? Je rêve où un véhicule vient de s'auto-suicider à côté de moi. C'est pas croyable, c'est cool. Violette. Parfait. Et il me manque plus qu'à construire quoi? Quelque chose ici? Oh, très joli. Ça n'existe pas comme objet, hein, au cas où vous le demandez. C'est un bonus. Ça s'est fait automatique, j'ai même pas besoin de le choisir. Alors, on va dégommer l'autre qui est là-bas. Ça va pas assez loin, non. J'y croyais un peu. Elle est tellement lente, cette machine.
aussi lente que mon cerveau, quoi. Encore là, je suis pas fatigué. Yeah, comment je t'ai spam cliqué, espèce de nabo. Ah merde, j'avais oublié que lui, son saut était nul. Oh, remarque. Je viens de faire quelque chose de classe. Construisons quelque chose. Là, c'est bon. Parfait, parfait, parfait. Attention, 3, 2, 1. Et non. J'allais éternuer en fait, au cas où vous le demandiez. J'allais éternuer. Et ben, je suis mort à la place. C'est pas plus mal. Oh, je suis de l'autre côté. Youpi! Mace Windu! Bon, tant pis. Au revoir, Mace Windu. On va y arriver, on va y arriver. Appréciez la finesse des détails accordés à cette machine fabuleuse. Par contre, ça fait de la fumée marron quand il marche sur quelque chose de lumière. C'est assez con. On entre. J'ai même pas envie de rire. Tellement qu'il s'est fait choper comme un nul. Ponzi s'appelle celui-là. Waouh. Et non, même pas assez près. Et pourtant j'ai ramassé quoi, 5. Ouais, il y avait écrit le nombre là. Au moins 5 ou 6 pièces violettes. C'est quand même énorme. Ça fait 10 000 chacune. Et pourtant non, 33%. Ok. J'ai pas acheté beaucoup pourtant. Elle est pas contente. Mais attends, on la voit là. Faut la pécho. Ouais, va-t'en avec ta pieuvre dégueulasse. C'est le chef, c'est vrai. Oula. Il y a une histoire encore plus compliquée normalement autour de ça, mais il y a des rebelles ou je sais pas quoi là. Mais je m'en rappelle plus. Justement parce que c'est trop compliqué. Faut connaître par cœur surtout. Ce qui n'est pas mon cas. Par contre, vous me posez des questions à propos de Stargate, je suis un peu mieux. Hop. J'essaie de fuir. Attention, je rentre seul. Comment t'as fait pour arriver ici? C'est un site! C'est un site! Il se fout de moi? Bon, et ben voilà, moi je vais arrêter cet épisode genre dans la pénombre. Voilà, parce que c'est classe. Viens là, toi. Viens dans la pénombre avec moi là. Tu veux venir dans la pénombre? Vas-y, avance. Waouh, avec la belle lumière verte et tout. Lumière violette. Et voilà, donc c'était la fin de l'épisode 13 de LEGO Star Wars The Clone Wars. Et je vous dis au prochain épisode. Allez, ciao!